Bien, bueno, vamos a empezar con la sesión de la tarde. Hoy por la tarde tenemos como invitados a Anselm Yap y a César Rendueles. En primer lugar va a intervenir Anselm. Lamentablemente él no ha podido finalmente estar presente aquí hoy con todas nosotras, así que va a intervenir por Skype. En todo caso, eso no va a dificultar tampoco que luego tengamos un turno de debate con él. Quizás algunos conozcáis a Anselm Yap bien por sus trabajos sobre la trayectoria de Guy Debord, digamos el pensador situacionista. Tiene un libro publicado, de hecho, en Anagrama sobre la figura de Debord, pero en realidad hoy su intervención probablemente se ubique más bien en las coordenadas de lo que se ha dado en llamar la nueva crítica del valor. Él ha estado vinculado históricamente, a partir de los años 90, primero al grupo Crisis y después al grupo Exit, que quizás algunas de vosotras conozcáis más bien por la obra de Robert Kurz, ¿no? El teórico de origen alemán que falleció hace unos años. Yap ha desarrollado esa crítica del valor en algunos libros que han sido ya publicados al castellano, en particular por la editorial Pepitas de Calabaza. Allí podéis encontrar tanto su libro Crédito a muerte, La descomposición del capitalismo y sus críticos, que se publicó en el año 2011, y más recientemente Las aventuras de la mercancía, que es una buena síntesis de algunas de las cuestiones que creo que van a atravesar la conferencia de Anselm. Probablemente hay un elemento de enlace con las cuestiones que ha abordado hoy en la última charla Cristina Kjaer, que tienen que ver con digamos, el papel que jugó el trabajo, ¿no? Y la representación del trabajo en el imaginario del productivismo soviético. Bien, probablemente adivino que Anselm Yap va a plantear una crítica de ese imaginario del trabajo y el papel que desde la óptica de la modernización jugó la Revolución de Octubre. Así que sin más, pues os dejo con él y después tendremos ese debate. Buenas tardes. Yo no hablo bastante castellano para poder pronunciar una conferencia en castellano. Yo hablaré en francés, no en inglés. Espero que no sea un problema para entender. Je m'excuse aussi de parler via Skype. Je n'aime pas beaucoup ça, mais effectivement, j'avais des raisons qui m'ont empêché de faire les voyages jusqu'à Barcelone. Donc, alors, ma contribution s'appelle Back to the USSR, donc comme la chanson des Beatles, et c'est donc un retour aussi sur les jugements que nous pouvons avoir aujourd'hui sur l'Union soviétique. Ce qui apparaissait aux uns comme cette grande lueur à l'Est, comme le disait entre les deux guerres l'écrivain français Jules Romain, qui d'ailleurs n'était pas communiste, c'était pour les autres l'empire du mal. Évidemment, la tentative de construire dans les pays les plus grands du monde une société entièrement nouvelle a suscité des jugements très différents. Ces défenseurs rétroactifs se sont fait rares, mais elles existent quand même. Les condamnations de l'expérience soviétique prononcées des points de vue libéral ou disons simplement bourgeois ont dressé depuis le début la liste des crimes et des méfaits commis pendant cette expérience. Ces dénonciations étaient rarement fausses. Au contraire, il semble que pendant longtemps, même le champ bourgeois ne connaissait pas ou ne pouvait pas imaginer toute l'étendue des horreurs commises sous le stalinisme. Cependant, pour juste qu'étaient ces dénonciations sur le plan factuel, on ne peut que noter qu'elles étaient motivées en général par le rejet de l'idée même d'un changement social incisif. Ce n'était pas la révolution trahie qu'on refusait, mais la révolution elle-même. Ce n'était pas la réalisation sanglante de l'utopie qu'on critiquait, mais l'utopie en tant que telle. Non les coûts humains d'une société d'égaux, mais le désir même d'arriver à une société d'égaux, voire même le fait de pouvoir la concevoir. Pour les historiennes bourgeois, par exemple comme ceux qui ont fait le livre noir du communisme, c'était l'intention qui était criminelle, non seulement sa réalisation. Ainsi, il conclut avec satisfaction que toute tentative de construire une société différente de la société capitaliste
ne peut que mener à la dictature et au bain de sang. En nous déplaçant vers la gauche radicale, ce n'est pas l'idée d'une société communiste en tant que telle qui est mise en doute, mais la grande question qui se pose est de savoir pourquoi le résultat a été si différent du projet initial. À quel moment la révolution, qui on présuppose pure au moment de la prise du palais d'hiver, a tourné mal? C'est ou c'était au moins une des interrogations préférées de la gauche non-stalinienne. C'était avec la fondation de la Tchéka, avec l'interdiction de l'opposition à l'intérieur du Parti communiste, avec l'écrasement de la révolte de Kronstadt, avec la mort de Lénine, avec le début de la NEP, ou au contraire avec la fin de la nouvelle politique économique, avec l'exclusion de Trotsky du Politburo, etc. Nous sommes donc dans le registre de la révolution trahie, soit trahie par Staline, soit déjà par Lénine lui-même. Ou peut-être, depuis le début, l'erreur résidait dans le fait que la révolution était conduite par les bolcheviks et non par les anarchistes, ou les socio-révolutionnaires, ou les mencheviks, ou les libéraux, ou les milieux inspirés par la religion. La question n'est pas si vaine qu'elle peut paraître. D'autres voies vers la révolution auraient été possibles, notamment en ce qui concerne le rôle des paysans. On vient de republier deux livres intéressants en France à ces propos. Le dernier, écrit de Lev Tolstoï, où il appelle à une révolution portée par et pour les paysans, et d'une étude des années 1970 de Chantal de Crisnoy, qui montre le mépris que Lénine a toujours eu pour le moujik, pour les paysans russes. La même incertitude régnait à propos de la question de savoir qu'est-ce qu'était effectivement l'Union soviétique, si elle n'était pas la société communiste qu'elle prétendait être. Les trotskistes avaient une réponse. Elle était un régime ouvrier dégénéré. C'est donc cette théorie, la base de la société soviétique. Son mode de production était bien et bel socialiste parce qu'il y avait la propriété collective des moyens de production. Mais une classe bureaucratique s'était emparée de l'État ouvrier et exploitait le prolétaire pour son propre compte. Il fallait donc renverser cette nouvelle classe parasite pour revenir au caractère communiste originaire de cette société. Plus tard, le groupe français Socialisme ou Barbarie, guidé par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort en France, a nuancé dans les années 1950 cette analyse. Pour eux, l'URSS n'était pas un régime ouvrier dégénéré qu'on aurait pu remettre sur le rail, mais était un capitalisme d'État où la classe bureaucratique a remplacé la bourgeoisie comme exploiteur du prolétariat. Le concept de capitalisme d'État a d'ailleurs été largement utilisé par d'autres auteurs. D'autres encore, comme l'orientaliste allemand Karl Wittfogel, passé du Parti communiste au macartisme dans les années 50, identifier l'URSS avec ce que Marx avait appelé le monde asiatique de production, et il voyait une forme de despotisme comparable à l'ancienne Égypte ou l'ancienne Chine, avec la domination de la bureaucratie. Cette analyse a été reprise plus tard en Allemagne par des auteurs de la gauche radicale comme Rudi Dutschke ou Rudolf Barrow. Je voudrais proposer ici une autre lecture de l'histoire de la Russie soviétique. Elle se base essentiellement sur les analyses de Robert Kurz, contenues notamment dans son premier livre, L'effondrement de la modernisation, publié en 1991 en Allemagne, juste quelques mois avant la dissolution formelle de l'Union soviétique, et traduit récemment en espagnol, en Argentine, par l'éditorial Mara. Là, je fais un peu de publicité pour le livre. J'espère qu'il sera aussi disponible en Espagne, dans les librairies. Je vous rappelle que Kurz a été l'auteur le plus important de la critique de la valeur, élaborée à partir de 87 par les revues allemandes Crisis et ensuite Exit, et repris depuis dans d'autres pays, aussi en Espagne. Kurz parle de l'idée que les deux systèmes, le capitalisme et le soi-disant socialisme ou socialisme réel, avaient de larges fondements communs et que c'était ce terrain commun qui avait commencé à s'effriter dans les années 80. Donc ce qui avait commencé à s'effriter, c'était la modernité basée sur le travail dans sa double nature abstrait et concret, basée sur la valeur créée par le côté abstrait du travail et l'argent dans lequel la valeur se représente.
L'expérience soviétique était, si nous faisons abstraction des justifications idéologiques, une modernisation de rattrapage. Je ne sais pas exactement comment on peut dire ça en espagnol, de rattrapage, donc pour combler un retard. L'effort d'un pays arriéré selon les critères capitalistes, de combler son retard et d'y implanter la même industrialisation que dans les pays où le capitalisme développé existait déjà depuis un siècle ou parfois un siècle et demi. Cependant, ce régime de transition vers la modernité n'a pas complété son chemin et a dû quitter la scène mondiale après 74 ans. Plutôt que d'une alternative qui a échoué ou qui a été vaincue par l'impérialisme occidental, comme une certaine gauche veut continuer à le croire, il s'agissait d'un fossile de l'époque héroïque du capital et de la tentative d'arriver par des moyens alternatifs au même but, transformer une société traditionnelle dans une société où le rapport passe par l'argent et la marchandise. Toutefois, cette défaite de l'Union soviétique et de ses satellites ne constitue nullement une victoire de l'Occident, de son économie des marchés et de sa démocratie. L'écroulement de l'URSS n'était que la première étape d'une crise fondamentale de la modernité capitaliste dans son ensemble, qui finira par attraper également les prétendus vainqueurs. C'est ce que Kurz a affirmé en 1991, et les événements successifs lui ont donné raison pour l'essentiel, même si l'épuisement de la dynamique capitaliste occidentale avance moins vite de ce que Kurz avait prévu. De toute manière, même si ce livre parle de la fin de l'Union soviétique, qui maintenant, ça fait maintenant 26 ans, quand même, ce n'est pas un hasard, je crois, si ce livre a été traduit l'année dernière pour la première fois en italien et en espagnol. Donc on peut dire qu'il n'a rien perdu de son actualité. Ce qui caractérisait, selon Kurz, la manière la plus visible de l'Union soviétique était l'absence d'un marché généralisé ainsi que la toute-puissance de l'État. Pour les observateurs occidentaux, il était alors facile d'identifier le marché avec la liberté et d'identifier un État trop fort avec l'oppression. Cependant, cette vision oubliait que la violence étatique a également joué un grand rôle en Occident lorsqu'il s'agissait, dans le passé, d'y créer les bases d'un régime capitaliste. Et c'est le processus que Karl Marx appelait l'accumulation primitive entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Le mercantilisme en était une forme, la Révolution française était une autre forme de violence étatique au service de l'implantation de la société bourgeoise. Pour vaincre une société agraire et féodale, l'État devait être alors bien plus brutal de ce qu'était plus tard l'État social de l'époque keynésienne. Le but immédiat de cette implantation des rudiments du capitalisme à partir du XVIe siècle était de financer les guerres entre États. Le moyen principal était de forcer par tous les moyens les populations à travailler dans les pires conditions et de sortir de leur économie de subsistance. L'État s'est posé alors comme le sujet absolu de la société de l'économie, comme l'a fait plus tard le socialisme réel. La violence étatique a toujours été la sage-femme de chaque nouvelle étape de l'installation du système fétichiste de l'argent. L'État et le marché n'ont jamais été en Occident des principes antithétiques ou opposés. L'État s'est simplement retiré sur le fond de la scène dans les périodes où le marché semblait assez fort pour marcher sur ses propres jambes, comme c'était le cas pendant une bonne partie du XIXe siècle, notamment dans un pays comme l'Angleterre. Alors les théoriciens du libéralisme pouvaient affirmer que l'État doit intervenir le moins possible dans la vie économique et devait laisser faire la fameuse main invisible. En vérité, on a toujours vu que la bourgeoisie, dès que des problèmes surgissent, n'a aucun scrupule à en appeler à l'État, même sur le plan économique. La gauche en a cependant tiré la conclusion, erronée, que l'État et le capitalisme sont opposés par nature et d'apprendre une extension du rôle de l'État, par exemple en demandant la nationalisation des industries ou, en cas extrême, l'étatisation totale de la société, comme c'est arrivé une Union soviétique. Les sujets modernes occidentaux face aux divers totalitarismes se scandalisent alors et y voient la preuve que leur modèle de société, le modèle occidental, est supérieur. En vérité, ce qu'ils regardent dans les totalitarismes, c'est leur propre passé, c'est la protoforme des sujets qu'ils sont
aujourd'hui. Au début du XXe siècle, le régime mondial de concurrence était déjà bien établi. Les premiers pays qui avaient développé une économie capitaliste, l'Angleterre, la France, les États-Unis, ainsi que leurs premiers imitateurs, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, s'étaient déjà partagés le marché mondial. Chaque effort de modernisation à la périphérie ne pouvait alors être qu'un rattrapage pour combler le retard, avec un point de départ très défavorable. Plus un pays est entré tard dans le marché mondial, plus fort devait être le rôle de l'État pour éviter que l'économie naissante de ces pays soit écrasée tout de suite par la concurrence étrangère. Aussi, l'État était plus fort en Allemagne au XIXe siècle et qu'en Angleterre au XVIIIe siècle et devait être encore plus fort en Russie au XXe siècle. Les révolutionnaires russes pensaient pouvoir utiliser l'État pour des fins socialistes. Dans son écrit « État et révolution », Lénine indique à la vigile de la révolution d'octobre, dans la post-allemande, un modèle à imiter pour la construction du socialisme. Il suffirait de libérer cet organisme des parasites capitalistes. Ensuite, Lénine se réclamait explicitement du concept de capitalisme d'État et de l'économie de guerre allemande, simplement en mettant la gestion prolétaire à la place de la bourgeoisie. Pas de socialisme sans technique capitaliste et sans la science la plus moderne, répétait-il souvent. Il faut que des douzaines de millions de personnes respectent des normes très strictes dans la production et dans la distribution. On sait que Lénine admirait le taylorisme et le fordisme et le travail à la chaîne et qu'il était évident pour lui qu'il fallait sacrifier les paysans, c'est-à-dire la grande majorité de la population russe, aux exigences de l'industrialisation. En effet, Lénine néglige totalement la critique marxienne de la forme sociale. On ne trouve chez lui aucune référence à la catégorie de travail abstrait. Il réduit le marxisme à une forme de sociologisme où les classes sociales constituent le dernier fondement. Ce sont les capitalistes qu'il veut abolir, non le capital. Le communisme soviétique était aussi une idéologie pour légitimer une modernisation forcée, une modernisation bourgeoise de rattrapage. Il s'agissait de répéter les révolutions bourgeoises, notamment la révolution française dans sa phase jacobine, mais dans des conditions différentes plus d'un siècle plus tard. Il est inutile d'attribuer cette évolution aux décisions fausses ou au contraire justes des sujets conscients. D'ailleurs, les dissidents communistes n'avaient aucune alternative à offrir. En Occident, le système n'avait pas besoin d'une révolution pour arriver à la prochaine étape de l'évolution capitaliste. Les différents degrés d'évolution capitaliste à l'Occident et en Russie expliquent aussi le schisme du mouvement ouvrier dans les années 20 entre sociaux-démocrates et communistes. Kurz récuse la thèse déjà évoquée du despotisme asiatique pour expliquer les particularités de l'expérience soviétique. Il y avait une interruption. À partir de quel moment? Alors, Kurz récuse la thèse déjà évoquée du despotisme asiatique pour expliquer les particularités de l'expérience soviétique. Ces éléments tyranniques venaient directement de l'Occident et de sa concurrence avec lui. Dans la modernité, les bureaucraties ne servent qu'à exécuter les lois de l'argent et n'ont pas l'autonomie qu'elles avaient en Égypte ou en Chine. Lénine combattait le reste de l'orientalisme et se réclamait du tsar Pierre le Grand, qui disait toujours qu'il faut apprendre des Allemands. En plus, les bolcheviks reprenaient des éléments de modernisation étatique déjà commencés sous le régime tsariste. L'économiste Preobrajensky, un vieux bolchevique, lança dans les années 1920 le concept d'accumulation primitive socialiste. Mais alors, il faut demander accumulation de quoi? Ça ne peut être qu'une accumulation de capital. Le capital apparaît alors comme quelque chose de neutre, donc peuvent s'emparer autant les capitalistes que les prolétaires, comme c'est alors le cas avec les autres catégories.
théorie capitaliste comme l'argent ou la valeur. Staline lui-même le disait, pour les investissements nécessaires pour l'industrialisation, l'URSS ne pouvait pas recourir à l'exploitation des colonies ni à des prêts à l'étranger. Il fallait donc trouver les ressources à l'intérieur du pays. Il était alors inévitable de transformer sans pitié le matériel humain en producteur de richesses abstraites, c'est-à-dire d'argent et de plus-values. Il s'agissait de multiplier l'argent à travers sa valorisation par le moyen du travail. L'Union soviétique n'a jamais dépassé le principe capitaliste pour qui le travail ne sert et constitue une forme en soi tautologique. Il suffit de penser au fameux Stakhanov. Pendant une certaine époque, l'étatisme semblait cependant être le dernier mot de l'histoire, à l'ouest comme à l'est, surtout donc dans les années 30 et 40. Cette analyse était partagée autant par ceux qui saluaient cette tendance en tant que planification salutaire qui met enfin un terme à l'anarchie du marché, que par ceux qui craignaient l'État autoritaire et le totalitarisme, comme c'était par exemple le cas des théoriciens de l'école de Francfort, qui constatait vers 1940 la convergence sinistre entre le régime économique du totalitarisme soviétique, du nazisme et du New Deal américain. Cependant, ce moment étatique ne devait pas durer pour toujours à l'Occident. On s'y assistait donc à un retour graduel du marché et du libéralisme après la Deuxième Guerre. L'étatisme soviétique, au contraire, fruit de l'effort de rattrapage, comportait une grande différence avec l'étatisme occidental. Étatisme et marché, c'est-à-dire monétarisme, ne s'y relayaient plus, n'étaient plus des phases qui se succédaient. Les moments étatiques restaient seuls. L'Union soviétique était aussi plus absolutiste que l'absolutisme européen du XVIIe siècle qui avait généré l'étatisme. Il restait davantage dans le stade de l'économie de guerre que l'économie de guerre allemande de la Première Guerre mondiale, qui était son modèle. La société soviétique s'est pétrifiée aussi pendant de longues décennies. En Occident, l'État n'a jamais eu un contrôle total du marché. Par exemple, pour Keynes, qui passe quand même pour un défenseur de l'intervention étatique, et l'État avait surtout la fonction de remettre en marche l'économie après des périodes de difficultés. Ces mouvements oscillatoires entre État et marché donnaient une certaine flexibilité au capitalisme occidental qui manquait à l'Union soviétique fixée pour toujours à l'étape étatique et de l'économie de guerre. Voilà le paradoxe fondamental de l'URSS. D'être une société marchande où il n'y avait pas de concurrence, pour éviter d'être écrasé par la concurrence extérieure qui aurait fait de la Russie une périphérie pauvre, il fallait suspendre la concurrence intérieure et laisser à l'État décider où employer les ressources disponibles. Pourtant, avec la concurrence, on suspendait également le mécanisme de distribution de la plus-value et donc de l'augmentation du niveau de la productivité. C'était le prix à payer pour une modernisation en retard, une nécessité historique si la Russie voulait résister aux pays développés. Ce n'était pas une simple erreur qu'on aurait pu éviter avec davantage de réflexion, ni c'était seulement le fruit des intentions méchantes d'une classe bureaucratique qui a voulu bâtir un système à sa convenance. Au début, l'Union soviétique avait effectivement le succès économique notable grâce à l'industrialisation brutale du pays et à la conversion forcée des masses paysannes aux ouvriers. Les miracles économiques dans l'Occident de l'après-guerre, dus à la rationalisation, à l'emploi de la science et à l'automatisation, étaient le fruit de la pression muette de la concurrence, qui pousse continuellement à remplacer le travail vivant avec les technologies. À l'Est, au contraire, on ne connaissait que l'augmentation de la sur-valeur extensive et non de la sur-valeur intensive. La force, parce qu'il y avait à un certain moment la peine de mort en Union soviétique pour qui arrivait en retard au travail, sous le stalinisme, et les appels moraux s'avéraient insuffisants. L'abolition de la concurrence, utile au début, s'est retournée ensuite contre ce système. On n'avait pas aboli le capital, mais sa dynamique interne.
Et le capital était toujours présent en Ourse parce que la dépense de travail abstrait continuait à exister, à former la base de l'économie. En Occident, diminuer en permanence le besoin de travail vivant à cause de la productivité augmentée, à l'Est, on restait au contraire avec l'idolâtrie du travail. Là où existe une séparation entre les producteurs qui ne sont pas intéressés à la valeur d'usage de leurs produits, mais seulement à la possibilité de les vendre, et le consommateur, qui au contraire doit s'intéresser à la valeur d'usage, là seulement la concurrence introduit un minimum de rationalité, c'est-à-dire elle corrige partiellement l'irrationalisme d'un tel mécanisme. L'indifférence de la marchandise envers sa valeur d'usage arriva en l'absence du mécanisme de la concurrence à des sommets dans l'URSS, avec le phénomène bien connu du gaspillage et de l'inefficacité extrême. L'irrationalisme de l'économie marchande y était donc encore plus évident qu'en Occident. Le socialisme s'épuisait dans la tentative impossible de planifier ou de diriger consciemment les catégories fétichistes de l'économie qui sont par définition aveugles. Elles ont été créées, oui, par l'être humain, mais de manière inconsciente et derrière son dos. Des prix politiques existent même en Occident, que on pense à l'agriculture subventionnée, dans l'Union européenne, mais ces prix sont toujours limités par le jeu du marché. L'absence de véritables prix faisait qu'en URSS, les prix continuaient à exister sans avoir ces minimums d'utilité qu'ils ont dans une économie capitaliste. Cependant, cela ne signifie pas du tout le triomphe de l'économie des marchés occidentale qui constituerait le bon modèle qu'il suffirait d'appliquer partout pour obtenir les mêmes résultats. Au contraire, c'est la société marchande globale qui est également en crise à partir des années 70, et justement à cause de l'épuisement progressif de sa base, de la transformation de travail vivant en valeur et donc en argent. L'effondrement des pays dits socialistes n'était autre chose que l'écroulement du maillon le plus faible, pour détourner Lénine, de la société marchande mondiale. Ce n'est pas l'alternative au capitalisme et ça sonne la moins performante, et cette mort n'est que le prélude à la fin graduelle de l'économie capitaliste même dans ses versions les plus performantes. Ceux qui croyaient être au cœur en 1991, en vérité, ne contemplaient que leur propre futur dans l'écroulement de leurs adversaires. C'est dans le monde entier que l'argent et le travail, la marchandise et la valeur ne peuvent plus garantir la cohésion de la société ni la reproduction matérielle. L'expérience du socialisme réel restera peut-être seulement comme une note en bas des pages dans le livre de la modernisation ou comme le souvenir d'une espèce de branche morte. Ses habitants restaient toujours le cadre de référence. Donc, l'expérience soviétique montre d'un côté que l'abolition de la propriété privée, des moyens de production et du marché n'est pas suffisante pour avoir une société communiste. On y restait toujours dans le cadre d'une société marchande basée sur l'argent et le travail abstrait. Il faut naturellement souligner une chose. La description de la réalité soviétique que je donne ici, en suivant Kurz, ne mesure pas le dysfonctionnement socialiste en prenant comme paramètre l'économie des marchés occidentaux en tant que système qui fonctionne. Elle indique plutôt dans le dysfonctionnement des formes extrêmes et souvent grotesques, des contradictions de base qui existent même en Occident et qui provoqueront également une crise systémique. Kurz cite souvent les nombreux problèmes dans les pays socialistes, tels le gaspillage ou le manque même des produits les plus nécessaires, mais il n'en tire pas la conclusion des libéraux pour qui ce problème était la conséquence du caractère socialiste de cette économie qui ne prime pas assez l'intérêt individuel, comme ils aiment dire. Au contraire, Kurz démontre que ce dysfonctionnement dérive directement de l'effort pour implanter à la périphérie du marché mondial une société marchande. Deuxième partie. L'expérience soviétique nous enseigne donc rien de positif. Il n'y a rien auquel les mouvements d'émancipation contemporains pourraient se connecter. Ils peuvent juste en apprendre ce qu'il faut éviter. Mais quid du mot communisme? Peut-on encore l'utiliser pour désigner une société post-capitaliste ou est-ce que le terme est souillé à jamais?
il est sûr qu'il garde une charge provocatrice. Le terme de révolution, au contraire, est devenu à peu près inutilisable après des décennies d'abus dans la publicité, le journalisme et la politique bourgeoise. Tout est révolutionné aujourd'hui, même un nouveau téléphone portable et une augmentation des impôts. En revanche, presque personne ne veut plus se compromettre avec le terme communisme et cette réputation sulfureuse pourrait le rendre plutôt sympathique. Le mot communisme peut aussi être revitalisé à travers l'évocation des commons et ainsi être ramené à sa base étymologique, la possession collective des bases de la reproduction sociale et la prévalence de l'intérêt commun sur les aspirations égoïstes. Et je vois que dans ces colloques, il y a qui entreprend cette voie. Quelle serait alors la définition minimale d'une telle reconsidération positive du communisme? Je parie que la première réponse qui viendrait aux lèvres de presque tout le monde serait la propriété collective des moyens de production et des ressources. Ou propriété collective ne signifie pas nécessairement propriété de l'État. Au moins sur ce point, une partie de la gauche, mais non toute la gauche, est devenue un peu plus sage quand même. Et ajoutera-t-on, il faudrait une forme de démocratie radicale pour assurer la participation de tous à la gestion de ces moyens et garantir une distribution équitable de ces fruits. Examinons un peu plus en détail cette définition. La propriété collective des moyens de production est sans doute une condition nécessaire pour avoir une société communiste. Mais elle n'est pas une condition suffisante, comme on dit en logique. La question de la propriété privée ou collective des moyens de production a presque toujours monopolisé l'attention du mouvement ouvrier dans toutes ses variantes. Cependant, elle est moins centrale de ce qu'on croyait, selon mon avis. Elle regarde la surface juridique du capitalisme et elle se limite à la sphère de la circulation. L'expérience soviétique a démontré qu'un simple transfert du titre de propriété à des organismes collectifs n'améliore pas nécessairement les conditions de vie des ouvriers, ni la qualité de la production, ni n'assure un respect de la nature, etc. La gauche radicale a inlassablement affirmé que cet échec était dû à la mainmise de la bureaucratie sur la production, tandis qu'une véritable autogestion, par exemple par le conseil ouvrier, donnerait des résultats tout autres. En vérité, rien n'est moins sûr, parce que le véritable problème se situe à un autre niveau, un niveau qui n'est pas le niveau de la propriété juridique, comme je tenterai maintenant d'expliquer un peu de mots. Une société marchande est une société fondée sur la marchandise et la valeur, l'argent et le travail. C'est-à-dire que le côté abstrait du travail, sa réduction à une simple quantité de temps, y prévaut sur son côté concret. Il faut toujours se rappeler que le travail abstrait et le travail concret ne sont pas deux types différents de travail, n'ont rien à voir, par exemple, avec la question si le travail est immatériel ou matériel. Mais chaque travail dans une société capitaliste est en même temps abstrait et concret. Donc il a ces deux côtés. On produit toujours quelques valeurs d'usage, mais en même temps, chaque travail est aussi une dépense d'énergie humaine qui est mesurée par le temps. Chacun dans ces procès est isolé au départ. Il n'y a pas de lien social a priori. Le lien social ne se constitue qu'à posteriori à travers l'échange des marchandises et des quantités de travail abstrait que les marchandises contiennent, entre guillemets, sous forme de valeur et donc d'argent. Ce n'est que l'échange sur le marché qui montre si le travail que l'individu ou l'unité de production a dépensé dans la production est valable ou non. Si une marchandise ne trouve pas d'acquéreur, c'est comme si le travail dépensé pour sa production n'avait jamais existé. Le lien social réside donc dans la capacité du travail de chacun de se réaliser sur le marché. Mais bien entendu, ce n'est pas le côté concret du travail, c'est-à-dire la valeur d'usage qui l'a créé, qui doit se réaliser. Mais c'est le côté abstrait qui doit se réaliser. Ce côté abstrait est une pure quantité sans qualité, qui est indifférent à son contenu, à ses conséquences, aux conditions de la production. Ce côté est donc asocial. Dans une société marchande, les individus se rencontrent seulement en tant que porteurs de quantités déterminées de cette substance asociale. Donc la socialité dans le capitalisme se base en vérité sur l'absence de socialité.
ou comme le dit Marx dans les grundrisses, l'argent est le lien social qu'on porte toujours dans sa poche. Ce lien social n'a donc pas de contenu propre. Son essence est l'abstraction, le travail réduit à pure quantité de temps. Chaque marchandise doit cependant avoir une valeur d'usage quelconque. Mais celle-ci n'est qu'un revêtement, une enveloppe interchangeable, une espèce d'accident de parcours. La valeur est indifférente à la question si elle s'incarne dans une bombe ou dans un jouet. Seule compte la quantité des valeurs, et surtout de survaleur ou plus-value, que la marchandise contient. On accuse souvent la méchanceté du capitaliste qui, dans sa soif de profit, préfère investir dans des bombes plutôt que dans des jouets. Mais en vérité, le capitalisme n'est pas une affaire de bonne ou de mauvaise volonté. Il est un système anonyme où le sujet véritable ne sont pas les individus avec leur volonté consciente, ni les classes sociales, mais le véritable sujet et la valeur en tant que sujet automate, comme le dit Marx. Voilà pourquoi Marx parle de fétichisme de la marchandise. Les êtres humains ont transféré leur pouvoir sur les marchandises qu'ils ont fabriquées et donc ils croient ensuite dépendre dans un processus inconscient analogue à ce qui se passe dans l'aliénation religieuse. Dans une telle société, aucune décision sur les affaires communes n'est possible. Chaque acteur ne fait que suivre aveuglément son propre intérêt, et il serait inutile de lui opposer une critique purement morale. Cela signifie aussi que même les capitalistes ne gouvernent pas vraiment la société capitaliste. Ils ne sont que les sous-officiers du capital, comme les appelle Marx. Le capitalisme est par sa nature un processus incontrôlable. C'est le capital qui domine, non les capitalistes. Et le capital est une relation sociale. Il est une relation non seulement, comme l'ont toujours dit les marxistes, dans le sens d'un rapport d'exploitation, mais aussi dans le sens d'une transformation incessante de travail en capital et de capital en travail. Capital et travail ne sont pas deux entités opposées et antagonistes, mais plutôt deux différents stades du même processus de valorisation de la même substance abstraite. Les premiers critères pour une société communiste, dans le sens d'une société qui règle en commun ses affaires, serait donc installer une socialité directe entre ses membres, au lieu de la socialité indirecte actuelle, où les individus n'ont des rapports qu'à travers des catégories fétichistes autonomisées, comme l'argent ou l'État, et qui se dressent face à eux comme des êtres indépendants. Le travail ne peut pas constituer, comme le veut le marxisme traditionnel, la base d'une société communiste, mais doit être ramené à sa façon de simple moyenne. Il faut partir des besoins et des désirs et décider comment les satisfaire avec un minimum d'effort au lieu d'effectuer le maximum de travail et voir ensuite ce qu'on peut faire avec ces résultats. Donc cette idolâtrie du travail, en vérité, a toujours été une base commune de la société capitaliste et des sociétés qui s'y disaient socialistes. Il est donc nécessaire une forme de planification, mais une planification d'un genre bien différent des planifications qu'on a connues historiquement, et qui surtout ne sera pas l'apanage d'un groupe social distinct des bureaucrates ou des planificateurs. Dans une société communiste, il n'y aura pas d'échange entre acteurs isolés et anonymes. Chacun contribuera, selon ses capacités, à la réussite de l'œuvre commune, et chacun participera à la distribution de ses fruits, mais sans qu'il y ait de l'échange entre celui et celle qui s'est occupé des potagers, par exemple, et celui et celle qui a enseigné l'alphabet aux enfants, par exemple. L'individu reçoit une partie des résultats selon des critères établis en commun et non comme récompense de la quantité exacte du temps qu'il a sacrifié au travail. Marx le dit aussi dans sa critique du programme de Gotha en 1875, je cite, « Au sein d'un ordre social communautaire fondé sur la propriété commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits, de même le travail incorporé dans les produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce que se passe dans la société capitaliste, ce n'est plus par la voie d'un détour, mais directement que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante du travail de la communauté. »
fin de la citation du vieux barbu. En vérité, il n'y aurait même pas du travail dans une société communiste. Non parce que tout est fort et disparaîtrait, ou parce que les machines feraient tout à notre place. Bon, moi, je ne suis pas du tout favorable à cette espèce d'utopie basée sur la technologie. Mais il n'y aurait plus de travail, parce que la même différence entre travail et autres formes d'activité humaine est une invention moderne, inconnue dans d'autres sociétés. Ou, comme le disaient Marx et Engels dans l'idéologie allemande, dans une société communiste, il n'y aurait plus de peintres, mais tout au plus des hommes qui, entre autres, feraient aussi de la peinture. Actuellement, le concept de communisme se trouve souvent combiné, bien différemment des conceptions de Lénine, avec celui de démocratie radicale. Bien sûr, qui serait jamais contre la démocratie? Il convient cependant de rappeler que la démocratie n'a de sens que là où les individus sont vraiment libres de prendre leurs décisions, surtout par rapport à la production elle-même, et où les décisions ne se limitent pas à la meilleure façon d'exécuter des présupposés qui, en tant que tels, sont considérés comme étant non négociables et qui apparaissent comme naturels en prenant la forme des lois du marché, des impératifs technologiques, de la réserve de finançabilité, des exigences de rentabilité, etc. Tandis qu'on reste à l'intérieur d'une société fétichiste marchande, la volonté des individus est elle-même une expression des pseudo-nécessités marchandes. Et chaque individu y désire surtout, en toute logique, d'avoir le plus d'argent possible. À gauche, on considère volontiers la politique comme le contraire de l'économie et on célèbre la possibilité de limiter l'arbitraire des marchés à travers des impositions politiques. Si un gouvernement de gauche arrive réellement au pouvoir, comme en Grèce ou dans certaines régions de l'Allemagne, etc., et ne réussit pas à domestiquer l'économie par des mesures politiques, on crie à la trahison ou l'on évoque le pouvoir plus ou moins occulte de la finance internationale. Cette attitude sert à ne pas voir que c'est le système capitaliste lui-même qui n'est plus réformable. Il ne permet plus des ajustements politiques comme c'était parfois le cas pendant sa phase ascendante, c'est-à-dire jusqu'aux années 1960 environ. Le capitalisme, pour le répéter, ne consiste pas seulement dans la classe des capitalistes et dans leur volonté de dominer et d'exploiter. Il consiste essentiellement dans le capital comme forme globale des rapports sociaux. Et cela signifie que dans les sociétés développées, entre guillemets, tout le monde y participe, même si pas toujours au même degré et avec les mêmes tâches et avec les mêmes récompenses, évidemment. Une société communiste ne consisterait donc pas dans le triomphe d'une part de la société actuelle, que ce soit le prolétariat classique, de nouvelles formes de prolétariat, le peuple, la multitude, les subalternes, etc., mais consisterait dans l'invention de rapports entièrement nouveaux, ce qui n'exclut pas de répondre à certains éléments plutôt de sociétés précapitalistes. Socialisme ou barbarie, c'est toujours la vieille question, déjà posée par Marx et reprise par Rosa Luxemburg. Pendant longtemps, les forces révolutionnaires luttaient contre le régime capitaliste qui semblait presque inébranlable. Mais elles étaient sûres qu'après la fin du capitalisme arriverait nécessairement le socialisme ou le communisme et que le désir de communisme était même un des ressorts les plus puissants de la lutte contre le capitalisme. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Le capitalisme se saborde lui-même mieux que tout ce que ses adversaires ont pu faire dans le passé. Le remplacement du travail vivant par les technologies est un processus inexorable à cause de la concurrence entre capitalistes, mais il fait diminuer et finalement disparaître la substance de la valeur qui est uniquement créée par le travail vivant et non par les machines. Et sans valeur, il n'y a plus de survaleur et finalement plus d'accumulation de capital. La grande réussite historique du capitalisme occidental, l'augmentation permanente de la productivité, à finir par étrangler ce capitalisme même. Il n'y a que la croissance gigantesque des marchés financiers, crédit,
du capital fictif, comme dit Marx, qui masque encore le manque de rentabilité du système marchand. La conséquence est que le capital a de moins en moins besoin de la force de travail et donc il n'a plus besoin des êtres humains. Au-delà de l'exploitation qui évidemment continue à exister, arrive une autre catastrophe pour une partie grandissante de l'humanité. Être superflu n'est plus servir à rien. Le capitalisme est condamné à disparaître, mais il n'y a aucune garantie que quelque chose de meilleur ira le remplacer. Il pourra tout aussi bien ne laisser que de la terre brûlée après lui. La tâche de toutes les forces qui se reconnaissent dans les projets d'émancipation sociale est alors celle de trouver des alternatives et de se préparer au post-capitalisme. Peu importe que l'on l'appelle communisme, anarchie, société émancipée ou encore avec d'autres mots. Merci pour m'avoir écouté. Bueno, muchas gracias a Ansel por la conferencia. Abrimos ahora un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a abrir yo un poco el fuego. Querría que de repente pudieras desarrollar algunas de las reflexiones que has planteado al final de la charla, particularmente a propósito, digamos, del límite interno, ¿no?, que detectáis desde la crítica del valor en el desarrollo del capitalismo. Porque, digamos, de acuerdo a esa lógica por la cual es necesario suplir el trabajo vivo con tecnología, ¿no?, en base a también las, digamos, los incentivos derivados de la concurrencia capitalista, quizás a veces perdemos de vista el hecho de que ese límite interno en el presente, y es algo que analizamos en un seminario anterior denominado petróleo, se topa también con un límite externo que tiene que ver con la carestía de combustibles fósiles que son básicos para la reproducción y la producción en las sociedades contemporáneas. Entonces, digamos, hay una contradicción o, digamos, una fricción entre esa lógica del capitalismo, ¿no?, de acuerdo al límite interno, que tiende a suplir la tecnología, o sea, que tiende a suplir la mano de obra, el trabajo vivo por tecnología, y la posibilidad de sostener los entornos tecnológicos contemporáneos de acuerdo a los inputs energéticos crecientes que demandan, ¿no? Entonces, me gustaría que de repente pudieras tratar esta relación, esta colisión entre el límite interno del capital y el límite externo derivado de la crisis ecológica. No sé si... Oui, effectivement, donc, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le capital a trouvé ses limites externes aujourd'hui, donc surtout avec le manque, avec l'épuisement du pétrole et d'autres ressources naturelles. Évidemment, il y a beaucoup moins d'unanimité sur la question des limites en termes sur laquelle Kurz et les auteurs de la critique de la valeur insistent beaucoup. Donc parce qu'il y a même à gauche beaucoup de gens qui, au contraire, disent que le capitalisme est plus fort que jamais, qu'il y a des profits énormes, il y a une redistribution à la faveur de ceux qui étaient déjà riches et dominants, etc. Mais au-delà de la question de la distribution, il y a quand même le fait que le capitalisme ne peut exister qu'en tant qu'accumulation de capital. Le capital n'existe qu'en tant que valorisation du travail vivant. Et donc, pour le dire un peu de mots, donc, moins de travail est nécessaire pour la production et plus il y a de la technologie, moins il y a donc de la production de valeurs dans chaque marchandise particulière. Et cette contradiction de base du capitalisme a existé en vérité depuis le début. Il était déjà sensible au début du 19e siècle, mais il a été compensé ou surcompensé très longtemps à travers une augmentation de la production en général. Donc si chaque marchandise particulière contient moins de travail et donc donne moins de profit, donc il suffisait d'en produire beaucoup plus de, par exemple, des chemises ou des voitures, ce qui d'ailleurs est une des causes de la crise écologique contemporaine, parce que si la
quantité de valeur contenue dans chaque marchandise est une diminution, mais quand même la consommation des ressources matérielles et d'énergie, elle ne diminue pas ou très peu. Et donc voilà pourquoi le capitalisme se base aussi essentiellement, par exemple, sur la usure programmée et donc sur le fait de produire beaucoup plus de choses et à un cycle beaucoup plus rapide de ce qui serait nécessaire sur le plan matériel. Mais justement, ce qui était, je ne sais pas si c'était assez clair dans ma conférence, donc de dire que ce n'est pas une question, la fin de l'Union soviétique, ne se pose ni en tant qu'exemple peut-être malheureux, mais quand même intéressant d'une forme de socialisme, ni de l'autre côté comme forme d'une espèce de modèle qui n'était pas le bon. Le fait est simplement que le capitalisme n'est pas un modèle qu'on peut appliquer partout avec le même résultat. Le premier pays qui avait développé le système capitaliste ont pratiquement toujours gardé, au moins jusqu'à aujourd'hui, l'avantage qui leur dérivait du fait d'être les premiers, donc d'avoir pu développer les infrastructures et créer des industries sans subir eux-mêmes une concurrence de l'extérieur. Et donc, une fois que, par exemple, les Anglais avaient leur industrie textile, ils pouvaient pratiquement inonder le monde entier avec des produits, par exemple, textiles ou des machines qui étaient toujours beaucoup mieux, qui coûtaient beaucoup, beaucoup moins cher de ce que des nouvelles industries nationales auraient pu développer. Et donc, dans un premier moment, certains pays comme l'Allemagne et le Japon ont encore réussi à occuper des espaces encore vides, mais déjà à l'époque de la révolution russe, donc c'était donc cette espèce de partage des marchés mondiaux était déjà à peu près fait. Et donc, un pays comme la Russie, s'il voulait s'industrialiser, semblait donc, d'une certaine manière, destiné à le faire dans une position de dépendance absolue, comme c'était le cas, par exemple, de l'Amérique latine plus tard. Et justement, si donc, on fait abstraction des justifications idéologiques, en rétrospective, là, l'expérience soviétique apparaissait surtout comme une tentative de autarcie, c'est-à-dire donc de se fermer par rapport au marché mondial, et en utilisant la extension énorme du pays, donc pratiquement de faire grandir avec une forte intervention étatique des structures industrielles qui n'auraient jamais pu se développer s'il était en même temps exposé aux importations de produits industriels de l'extérieur. Et donc, en même temps, dans un régime privé, on n'aurait jamais pu diriger donc, avec une telle brutalité, par exemple, toutes les ressources du pays vers l'industrie en les drainant du monde paysan et rural. Mais donc, cela a donné, comme j'avais dit, avait donné des résultats dans les premières décennies, mais après, donc, on n'a pas eu une espèce d'échange. L'alternance entre marché et État comme en Occident, et donc la Russie restée, même après la phase stalinienne, avec un étatisme d'un côté, perdait de plus en plus de crédibilité, aussi en devenant moins brutal, mais en même temps qui ne permettait absolument pas de gains de productivité, parce que rien ne stimulait en même temps les producteurs en Union soviétique à chercher à améliorer leur système de productivité. Donc Kurz, dans son livre, il en donne aussi de nombreux exemples. Et donc tout cela pour dire finalement la Russie n'a pas échoué parce que c'était un régime trop socialiste, mais finalement parce qu'en vérité il était encore trop capitaliste. Mais il avait justement, c'était une espèce de capitalisme imparfait qui gardait l'argent, la valeur et la marchandise, le travail, mais qui avait démonté justement ce qui permettait vraiment de faire fonctionner ces mécanismes en Occident, c'est-à-dire surtout la concurrence et les mécanismes des prix. Et donc, je pense que ce regard sur l'Union soviétique permet donc justement une espèce de regard plus moins idéologique et plus désabusé, donc sans nostalgie, mais aussi sans désir de le condamner à tout prix, mais essentiellement, en vérité, comme une espèce de... Donc, la fin de l'Union soviétique, en vérité, démontre plutôt... était plutôt une première étape de l'écroulement mondial de tout le système marchand, donc paradoxalement. Donc, je pense que Kurz était vraiment presque le seul auteur qui l'avait dit en cette forme-là, il y a 26 ans. Merci. Alguna pregunta más? Teu
curiosidad, me gustaría preguntarle si él conoce algún ejemplo concreto de algún tipo de trabajo o alguna organización de ocupación que se haya hecho históricamente que escape de la abstracción del trabajo. Oui, par exemple, dans une, à l'intérieur d'une ferme traditionnelle, même dans cet exemple, tout le monde, par exemple, collabore à la réussite, par exemple, de la récolte, mais après, il y a une distribution qui n'est pas donnée par un échange entre les différents, entre les différents membres, par exemple, d'une ferme. En vérité, dans aucune société pré-capitaliste, il y avait un échange de quantité de travail, parce que la distribution des fruits du travail s'est basée sur d'autres formes de hiérarchie, qui étaient également naturellement très critiquables, mais quand même qui démontrent qu'une société peut aussi se baser sur une socialité qui existe avant l'échange et qui ne se constitue pas seulement à travers l'échange de quantité de travail. C'est-à-dire, dans la société capitaliste, seulement en elle, les individus sur le marché dérivent leur grandeur ou leur importance de la quantité de travail qu'ils représentent, que ce soit leur propre travail ou le travail des autres, donc ils ont réussi à se approprier. Et ce n'était pas le cas dans d'autres formes de société, parce que dans d'autres formes de société, quand même, le travail était essentiellement ou l'activité liée à son utilité et non mesurée sur la base du temps qu'on avait dépensé. C'est-à-dire, on peut évidemment, d'une manière très abstraite, dire que même dans une société avant la société capitaliste, le travail prenait toujours un certain temps, c'est évident. Mais cette dimension temporelle n'était pas une dimension sociale. Donc, le lien social ne consistait pas dans l'échange d'unités temporelles. Alguna pregunta más? Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación a lo último que habías dejado dicho en la conversación, y es si a partir de este horizonte de inempleabilidad y de obsolescencia al que el capital va empujando a los trabajadores, a todos aquellos que no se adaptan a su código, sobre todo dentro del capitalismo financiero, si esa obsolescencia, esa inempleabilidad, esa inutilidad no puede ser un principio de potencia, digo, de poder utilizar de otro modo el tiempo, de poder pensar de otra manera el trabajo, si vamos a pensar la emancipación, quizá hoy la posibilidad de pensarla tenga que ver con lo inútil, digo, o lo obsoleto o aquello que es inempleable y que en algún punto, subjetivamente, ya no tiene nada que perder. Digo, por ahí. Oui, mais effectivement, la question si on aura finalement le socialisme ou la barbarie est largement liée à cette question comment ceux qui sont devenus inutiles ou superflus du point de vue capitaliste, comment ils vont réagir. Toute la question est là. Parce que traditionnellement, donc, le capitalisme crée des exploités. Et donc, l'exploité, il a une espèce de force parce qu'il sait que l'exploiteur a besoin de lui, parce qu'il doit l'exploiter, sa force de travail. Et donc, l'exploité, il peut donc se défendre classiquement, par exemple, avec la grève. Alors, donc, être superflu était un cas plutôt rare pendant la plupart du développement capitaliste. Mais à partir des années 70, donc avec l'augmentation stable du chômage, cela a vraiment changé les cartes sur table. Et maintenant, une partie croissante de l'humanité est à l'intérieur de chaque société, mais aussi des pays entiers, comme par exemple la Grèce, même des continents entiers comme l'Afrique, et savent qu'ils sont, d'une certaine manière, considérés comme une espèce d'excroissance inutile du point de vue de la logique du système. Alors,
Et en même temps, cela rend aussi plus difficile de se opposer parce que justement, on est par exemple le chômeur, les gens sans travail ne peuvent plus faire grève dans un sens classique parce que de toute manière, on n'a pas besoin d'eux. Alors, d'un côté, évidemment, cela peut être justement la base d'une émancipation possible qui n'est pas fondée sur une idée de travail, mais par exemple sur l'exigence de pouvoir vivre, même si on ne réussit pas à vendre sa force de travail sur un marché que de toute manière, on n'en a presque plus besoin. Donc cela peut effectivement devenir la base du mouvement, par exemple, d'appropriation directe des ressources, donc, où le fait d'être inutile du point de vue du capital peut devenir presque une forme d'orgueil. Mais ce qui se passe en réalité, c'est souvent aussi le contraire. Donc, soit que les superflus, ils veulent à tout prix travailler, et donc ils sont donc proie à toutes les promesses politiques d'encore relancer par quelques miracles ce qu'ils appellent la croissance ou le retour au plein emploi ou d'autres choses. Ou sinon, donc, le fait d'être superflu peut aussi nourrir finalement un ressentiment colossal. Et donc la sensation d'avoir été trahi, et comme on le sait bien, donc peut-être pas tellement en Espagne, mais en Italie, en France, en Allemagne, ce sont justement donc les classes sociales qui se sentent superflues parce qu'ils vivent par exemple dans les provinces périphériques comme en Allemagne, ou parce qu'ils vivent maintenant avec un chômage perpétuel, ce sont eux qui votent maintenant pour le parti de l'extrême droite. Donc l'extrême droite a donc une bonne possibilité d'exploiter donc ce sentiment d'être exclu, d'être jeté hors du monde. Et donc les forces d'émancipation doivent effectivement prendre au sérieux et combattre aussi donc cette sensation de ressentiment et plutôt insister sur la nécessité de sortir du système capitaliste et non de trouver encore une façon pour pouvoir rentrer encore dans le système capitaliste, par exemple en trouvant un emploi. Est-ce que c'est clair que je dis? Donc, après, je ne sais pas, vous avez une traduction simultanée? Oui. Creo que tenemos quizás 5 minutos más o alguna otra pregunta. Yo quería saber, como una pregunta es más relacionada con la cuestión del fetichismo de la mercancía y porque desde los 90 se empezó un poco a discutir el fetiche desde otro lugar, como por ejemplo conceptos como border fetishism, como fetichismo fronterizos, o pensar el fetichismo como un discurso cultural. Quería saber, y también bueno, desde un lugar más en relación con la materialidad, ¿no? Pensar en otras relaciones con la materialidad que no necesariamente están mediadas por la economía capitalista. Quería saber si tú piensas que hay un lugar para otro fetichismo y qué sería ese. Il y a beaucoup de confusion autour du terme de fétichisme. Bien sûr, évidemment, chacun peut l'utiliser comme il veut, mais il faut quand même être clair sur ce qu'on entend dire. Il existe donc un fétichisme en anthropologie, ou dans l'histoire de la religion. Il existe évidemment même le fétichisme sexuel. Il existe, après, il existe par exemple un fétichisme dans la consommation, lorsque par exemple on dit que quelqu'un est un fétichiste de la voiture ou un fétichisme des chaussures Nike, etc. Et donc cette fascination par une image dans la consommation, l'appeler fétichisme, là on le trouve par exemple même chez des auteurs comme Walter Benjamin. Il faut quand même tous ces usages peuvent être légitimes, mais il faut quand même être clair sur le fait que le fétichisme de la marchandise dont parle Marx est quelque chose de bien différent. Surtout, là aussi, il y a même chez les marxistes beaucoup de confusion. Souvent, on croit que le fétichisme est une espèce de mystification, donc c'est le fait qu'on cache
la véritable origine de la survaleur dans le surtravail non payé des ouvriers. Donc le fétichisme est apparu à beaucoup d'interprètes marxistes, même comme une espèce de... comme une espèce de mensonge organisé, mais en même temps comme un pur phénomène de conscience. En vérité, je trouve, c'est aussi un des points les plus importants dans la critique de la valeur, c'est de prendre absolument au sérieux le petit chapitre de Marx sur le fétichisme et d'y voir un peu le centre de toute sa critique. Pour Marx, le fétichisme, donc, ça veut surtout dire, donc, c'est une organisation réelle de la société. Ça veut dire qu'il y a une inversion entre l'abstrait et le concret, entre la valeur d'usage et la valeur marchande, entre le travail concret et le travail abstrait. Le fétichisme, donc, ça veut surtout dire que les êtres humains ont véritablement perdu le contrôle sur leur vie économique et sociale, parce que ce qui devait être le côté vraiment humain, c'est-à-dire l'usage qu'on peut en faire, la beauté, l'utilité et ses produits, se trouve être pratiquement seul, être subordonné, de n'être qu'une espèce de fond phénoménal, une véritable essence qui échappe à la conscience en général, une véritable essence qui consiste justement dans la quantité de la valeur qu'elle contient. Et donc, comme j'avais dit avant, donc si une bombe contient une quantité majeure, par exemple, de valeurs et surtout de survaleurs, on va donc produire des bombes et pas des jouets. Et donc là, il y a donc une... Donc ça veut dire, dans ces cas-là, donc c'est le sujet automate de la valeur qui se impose ses propres lois aux êtres et donc qui écarte même les êtres humains qui pourraient, par exemple, avoir des scrupules moraux et ne pas vouloir produire des bombes. Donc le fétichisme, dans le sens de Marx, on dit que surtout une société, donc une société qui n'a pas de contrôle sur ce qu'elle fait, donc qui a créé une économie qui finalement se présente face aux hommes comme une entité supérieure et qui oblige les êtres humains à suivre ces pseudo-lois économiques. En même temps, évidemment, cette position est différente, par exemple, de quelque chose comme le structuralisme, parce que Marx n'affirme pas que l'économie est vraiment quelque chose d'indépendant, une espèce de structure éternelle. Donc le fétichisme reste quand même, comme la religion, une création humaine qui s'est autonomisée, mais qui pourrait aussi être ramenée finalement à son véritable statut. Donc dans la société capitaliste, les êtres humains sont devenus, donc d'une certaine manière, disons que les serveurs, les domestiques de leurs propres marchandises. C'est ce que Marx appelle le fétichisme. D'accord, pues creo que lo vamos a dejar aquí y pasamos a la siguiente charla con César Rendueles. Muchas gracias, Amsel, por tu colaboración, tu participación. Sí. Vamos a tener 5 minutos de descanso, ¿de acuerdo? Y volvemos con César.